Oh, pardon, 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 pardon. Je te jure que je visais la caméra. Vérité. Quel est le pire cadeau qu'on t'a offert à Noël? Offert par qui? Alors ça, c'est vraiment drôle. Je vais vous expliquer. Nous, on ne fêtait pas Noël lorsqu'on était plus jeunes et on était dévastés. On était tristes, ma sœur et moi, quand je dis « on », parce qu'on vivait dans un quartier très francophone, très québécois, où est-ce que tout le monde fêtait Noël, il y avait des décorations de Noël partout. On était la seule maison de blédard qui n'avait pas de lumière, pas rien. Et on se disait « mais pourquoi ils nous font ça ?» On comprend la tradition, on n'est pas en train de dire on va à l'église ou quoi que ce soit, on veut juste fêter le truc de Noël avec les cadeaux, c'est des cadeaux, on est jeunes. Cadeau égale jeune, jeune égale cadeau. Alors ma sœur et moi, avec le peu d'argent qu'on avait, on était des petits jeunes, on avait 8-9 ans, on a fouillé dans la maison, on a trouvé des petits changes, de la petite monnaie, et on s'est fait faire un échange de cadeaux en secret. La veille de Noël, on est descendu au sous-sol, et on s'est fait un échange de cadeaux. Et moi, je lui ai offert des bulles, parce que ça coûtait 2 $, un pot de bulles, ça, bulles, voilà, on a compris, t'as compris le bulle. Et moi, ma sœur, très originale et très, très, très en amour avec son frère, elle m'a acheté un chewing-gum. Vérité. Je prends juste des vérités, hein, t'as vu, c'est dans la gueule. Quel est le moment le plus difficile que tu aies vécu sur scène? OK. Le premier spectacle, j'avais un numéro qu'on appelait le Fresh. Le Fresh, dans les années 90, c'est ce qu'on se faisait appeler dans le quartier. On allait piquer des signes, des logos de Volkswagen et de Mercedes, on les arrachait. Toutes les voitures dans le quartier n'avaient plus de signes Mercedes. On prenait les colis à la maman, un peu grave, un peu dégueulasse, crade, et on les mettait comme ça, puis on imitait les Beastie Boys et tout, puis on était devenus des Fresh comme ça. Puis on se promenait comme ça, c'est comme si on avait un problème au niveau de la jambe et tout. Et là, vous voyez pas, mais il y a mon attaché de presse, Valérie, qui est en arrière, qui fait voilà, des mouvements de rap, mais on aurait dit qu'elle a une crise d'épilepsie. Et puis... Et puis, c'est ça, puis on faisait nos togs et tout, et Fresh. Et dans mon spectacle, dans mon premier spectacle, je parle de ce numéro, de mon époque Fresh, et je parle des battles qu'on faisait de danse, parce que moi, dans le groupe, j'étais pas le rappeur, j'étais pas le tog, j'étais le danseur. On m'appelait Ed Lover, et j'avais mon partenaire, Scoob Lover, qui était un peu en honneur des danseurs de Heavy D. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, Heavy D. Now that we found love, what are we gonna do? With it. Bon, OK. Alors, il y avait deux chanteurs, Ed Lover et Scoob Lover, qui faisaient le Running Man, comme ça, des trucs comme ça, puis c'est comme ça. Puis... Alors, c'était ça. Et un jour, dans une battle, dans mon spectacle, je dis, il y a un mec qui vient me voir, il veut faire une battle contre moi, il me fait honte devant une fille. Et puis, je dis qu'on amène mon sac. Et là, le sac tombe. C'est un vieux sac vintage Adidas qui tombe en cuirette noire, Adidas en blanc. Clac, qui tombe devant moi. Mais le clac n'était pas assez clac pour faire réagir les gens. Donc, on a mis 2 briques à l'intérieur, incassables, et puis qui tombent de quoi? Allez, 3 mètres, 4 mètres de haut, et paf! Et j'ai un X. On voit où je vais en venir, right? Il y a un X par terre, on me dit toujours, si tu restes derrière ce X, t'es bon. Ce jour-là, je sais pas ce que j'avais, j'étais excité, j'ai été indiscipliné, je me suis mis sur le X. Et le sac, j'ai dit, comment m'amène mon sac? Et c'est la dernière chose que je me souviens. Quand je me suis réveillé à l'hôpital, il y avait des fleurs, du chocolat. Mais non, j'ai vu des étoiles et on a attendu 15 minutes. J'avais une grosse bosse sur la tête, j'avais peur d'avoir une commotion. Et puis voilà, ça a été, j'ai eu très honte, mais en même temps, apparemment, c'était... En même temps, c'était pas un moment où est-ce que le portable était populaire. C'est dans le premier spectacle, en 2007-2008. Il n'y a pas encore des gens qui se promenaient en train de faire des photos. Merci à la technologie, merci à l'époque du moment, parce que là, ça s'est repassé sur Instagram. Aujourd'hui, j'aurais l'air d'un vrai con. Allez, c'est toi que je vise maintenant. Zéro. Action. Le dernier message que tu as écrit à quelqu'un. La dernière photo, et ben voilà, la dernière photo, c'est celle-là. C'est celle-là ici. C'est Guillermo Guise. Je l'appelle Guise, mais son vrai nom, c'est Guy André Michel. Donc, il a bien fait de faire appeler Guillermo Guise. C'est un mec que j'aime beaucoup, qui est très talentueux, mais qui me fait chier. Parce qu'il est grand et il est beau. Et donc, à chaque fois qu'on va à quelque part, je me tiens un peu loin de lui. Il le sait pas, il va le découvrir avec cette émission, cette entrevue, parce que je décale. Quand je suis à côté de lui, j'ai l'air de son chauffeur Uber et puis personnalisé. Donc, mais voilà, et je veux l'encourager parce qu'il fait un spectacle au Bataclan. Et
puis hier, j'étais en train de prendre un snap de ce que j'ai vu sur Internet pour lui faire un post sur Instagram. Voilà. Une autre vérité. Ah, on aime la vérité. Si tu pouvais être une femme le temps d'une journée, que ferais-tu en premier et pourquoi? J'ai été témoin de l'accouchement de ma femme qui a accouché de notre fille. J'ai vu ça, moi. J'ai vu ça de mes yeux. J'ai vu. Je regrette d'avoir vu ça, mais j'ai vu. Et je crois qu'il y a beaucoup d'hommes dans cette société qui ne respectent pas... Une des raisons pour laquelle ils ne respectent pas autant la femme, c'est parce qu'ils n'ont pas vu ça ou été témoins de ça. Et je pense pour ces hommes, moi, je l'ai vu, mais malgré ça, avec si j'étais une femme, qu'est-ce que je ferais en premier? En fait, j'irais tout de suite être dans le corps d'une femme qui va accoucher. Je veux connaître c'est quoi cette souffrance et qui explique pourquoi, malgré que ma fille m'adore et ne peut pas vivre sans moi, pourquoi en un claquement de doigts, elle choisirait sa mère plus que moi et je me considère comme un père extraordinaire. Il y a quelque chose, il y a un truc chez les femmes qu'on n'en pourra jamais avoir, les hommes. Et c'est pour ça que c'est elle qui porte l'enfant. Et j'aimerais aller dans le corps d'une femme, être une femme pendant une journée pour juste souffrir et voir qu'est-ce que c'est donner naissance à un enfant pour comprendre. Je pense que tous les hommes devraient virtuellement, là, tu sais, au lieu d'inventer des jeux virtuels, on devrait inventer ce jeu virtuel où est-ce qu'on accouche d'un enfant. Et je te jure que la femme, tu vas respect pour le restant de tes jours, ça c'est sûr et certain, parce que c'est quelque chose de vraiment, vraiment fou. Action, faites-nous le pas de danse que tu maîtrises en restant assis. C'est parfait. On y va? Je sais pas c'est quoi. J'aime bien. On dirait qu'il y a un problème. Pardon. Vérité, ton guilty pleasure musical du moment. Attends. T'as mis dans la bouche. C'est ça. Bref, il y a celle-là, puis il y a une chanson aussi d'un rappeur extraordinaire. Je sais pas s'il est déjà venu en Belgique, mais il faut qu'il vienne en Belgique. C'est un rappeur qui s'appelle Loud. Vous connaissez? Extraordinaire, moi je l'adore. Je pense qu'il commence à avoir peur de moi parce que je parle de lui partout et j'ai un peu une fixation sur lui. Mais il est venu à mon spectacle en France et je lui ai dit de toute façon. Et il a une chanson en ce moment qui s'appelle TTTT, je crois, qui est These Things Takes Time. Et c'est vraiment très bien fait. La vidéo, on dirait un plan séquence. Il est sur scène, il saute dans la foule, il rappe dans la foule. La musique enregistrée studio diminue. La vraie musique, quand il est dans la foule en train de chanter, embarque avec le son un peu sauvage, avec le bruit des gens qui crient, qui chantent par-dessus. Ça revient au son du studio. Et là, t'as la sécurité qui pousse les 1000 personnes qui sont là. Ils retournent sur scène. Un signe de croix comme ça, genre on leur dit voilà, j'ai tout fait. Et derrière lui, il y a un écran géant, il y a une voiture qui tombe, pow, qui explose. Là, c'est la faillite. C'est These Things Take Time, Loud. Je sais pas faire. Mais ça, c'est pas un guilty pleasure. Guilty pleasure, c'est les chansons. Ah, de merde! Ah oui, attends, non, attends, mais t'as raison, j'ai tout. Attends, t'as raison, toi. J'ai pas de guilty pleasure quand j'écoute une chanson. J'ai pas honte d'écouter une vieille chanson ou une chanson, on dit en québécois, kitten, kitsch. Moi, je les aime. J'aime retrouver des musiques du vieux temps. Ou des fois, j'écoute des chansons de Enrico Macias, non, de Julio Iglesias. Vous connaissez Julio Iglesias? Il est déjà passé en Belgique, hein? Hein? C'est cette chanson-là. On s'est rencontrés l'été dernier dans une discothèque. Déjà, je dis discothèque, on s'entend, c'est la boule et tout qui tourne. Dès que tu m'as regardé, tout a changé. Moi, je t'aime. On chante bien, hein? Moi, je t'aime. Fais-je mal à la tête. Ça y est? Ça y est, c'est top. Au revoir. C'est dans la boîte.